Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va passer au training biceps. Mais d'abord, faut que je t'explique pourquoi il y a eu deux vidéos sur ma chaîne aujourd'hui. Faut que je t'explique ce qui s'est passé. Je suis obligé de t'expliquer. La vidéo d'hier, je l'ai bien tournée hier, je l'ai bien montée hier. Enfin, je l'ai juste tournée hier, mais je l'ai pas montée. Parce que tu vois, il y a eu plusieurs choses. Je vais te dire ce qui s'est passé réellement. Je suis là, j'ai fait mon montage tranquillement, où je parlais de la séance. Le montage est fini, je laisse les vidéos dans la caméra tranquillement. Voilà, là on est bien. J'avais la flemme de faire le montage tout de suite après. Donc, voilà, je voulais me balader tranquillement. Je sors dehors, je me balade sur Paris. Et là, je vois un mec, il est en train de snapper un jeu. Il vient d'acheter un jeu, il snap et il sort d'un magasin justement. Et moi je regarde le jeu et je vois Call of Duty Black Ops 4. Donc je me dis, ah oui c'est vrai, mais il n'est pas encore sorti, mais ces genres de magasins là il les vend plus tôt. Donc tu vois, je suis rentré dedans parce que je voulais ce jeu là, tu vois. Et je l'ai actuellement. Moi tu vois, je rentre dedans et je suis un acteur. Je fais genre, je regarde les autres trucs, genre les figurines. Or, je m'en fous de ça, tu vois. Genre les figurines, genre les jeux de DS et tout. Après, je mets à côté du vendeur, tu vois. Je me colle, on va dire, ça c'est le vendeur. Je me colle comme ça à lui, je fais. Ah, mais. Il sort quand Call of? Tu vois, et le vendeur, il fait, hey, excusez-moi, vous, est-ce que vous parlez du dernier Call of Black Ops 4? J'ai dit, oui. Il a dit, mais je l'ai. J'ai fait, ah bon? Tu vois, au moment où j'ai dit, ah bon, ma main était déjà dans ma poche en train de secouer la carte bleue. Tu vois, et lui il regardait ma main, il avait le sourire, donc il savait. Et il m'a dit quelle plateforme. Et là c'est bon, PS4. Et j'ai pris le jeu, je suis rentré à la maison, je l'ai mis dans la play. Et c'est à cause de ça que j'ai pas sorti la vidéo hier. Et en plus de ça, je me suis fait niquer, tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait la mise à jour qui était très longue. En ce moment-là, j'avais deux trucs à faire. Et je me suis dit, après la mise à jour, je pourrais jouer. Et j'étais trop dans la hype. Et quand je suis trop dans la hype sur quelque chose, si je fais le montage, je vais le faire à la va-vite. Et il sera pas assez beau, il sera pas compétent pour être sur YouTube. Donc, je me suis posé, j'ai attendu tranquillement, j'étais sur les réseaux. J'ai attendu 2-3 heures pour que la mise à jour se finisse. Pour qu'après, on me dise que le jeu est jouable demain à 7 heures. Enfin, aujourd'hui là, à 7 heures du matin. Je te cache pas que j'avais la haine. Ah, j'avais la haine, je me sentis comme un con, tu vois. Mais je me suis quand même levé le matin, j'ai testé le jeu, franchement, il est super, il est top. Donc, pour tous ceux qui vont acheter Black Ops 4, il est top. Si tu me vois aussi joyeux, c'est qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Black Ops 4 est sorti. Et la seconde, c'est que c'est la séance biceps aujourd'hui. La séance biceps, c'est la meilleure séance. C'est la meilleure. C'est une émotion à la salle. Dès que tu ouvres la porte et tu sais que c'est une séance biceps, tu regardes pas les gens pareil. Tu vois, quand c'est une séance jambes, t'as envie de t'embrouiller, t'es là. Mais quand c'est biceps, c'est tranquille, tu vois. Tranquille. Donc, le grimoire est prêt, le programme est prêt. Et je vais te dire tout de suite par quoi on va commencer. Premier exercice, ça sera le curl biceps halter en prise marteau. Cet exercice-là, c'est l'exercice que je mets tout le temps dans mes programmes biceps. Et j'aime bien commencer par ça parce que quand je commence par ça, j'ai des superbes sensations avec ce mouvement-là. Je sais pas pourquoi, mais ce mouvement-là, on dirait qu'il a été fait pour moi. On dirait que dès que je suis arrivé à la salle, d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant à la salle, c'est le mouvement où quand je l'ai fait, tu vois, j'ai vu la lumière directement. Et je me suis dit, toi, je vais te mettre tout le temps en premier. Parce qu'après, la congestion qui va suivre, elle est énorme. Faut tout le temps que je fasse ça pour avoir une bonne congestion après. Donc, on va commencer par ça. Deuxième exercice, ça sera le curl biceps barre droite. Cet exercice-là, tu prends ta barre, tu fais ton curl biceps. Avant, je privilégiais plus la barre EZ. Mais là, avec le temps, j'ai repris la barre droite et j'ai fait mon curl biceps avec. Et j'ai vu que j'avais pas de douleur au poignet.
Et je sentais de très bonnes sensations, donc j'ai décidé de l'inclure dans mon programme. Enfin, j'ai inclus la barre droite. Si pour toi la barre droite te fait mal, prends la barre Z directement. D'ailleurs, avec la barre Z, j'ai des meilleures sensations sur la barre droite. Mais la barre droite m'offre des sensations nouvelles que mon biceps ne connaissait pas. Donc, je l'ai inclus. Par contre, juste après ça, on va se faire du curl biceps à la barre droite, mais cette fois-ci en prise serrée. Alors là, juste après ça, je peux dire que ton biceps va souffrir. Parce que déjà, tu lui as infligé le marteau plus la barre droite en large, enfin en normal plutôt. Là, tu vas la faire en serrée. Là, il faudra t'accrocher pour cette série-là. D'ailleurs, si c'est trop lourd, tu peux baisser les poids. Parce que l'exercice en barre droite prise serrée, là, c'est vraiment pour bien sentir le pic du biceps. Donc ça, c'est un exercice que tu pourras pas esquiver. Et après, pour finir, tu crois que tu vas laisser la barre droite? Non. Tu vas garder ta barre droite et tu vas te chercher un banc. Peu importe lequel, mais faut qu'il s'incline. Tu vas prendre un banc et tu vas faire du curl biceps à la barre droite, couché. Et là, ça sera une finition directe. Là, tu vas vraiment sentir ton biceps partir. Là, tu vois, ton biceps va rester à la salle. Toi, tu vas rentrer chez toi, mais ton biceps va rester à la salle. Et pour cette séance, il faut qu'il reste à la salle. Même si c'est un échauffement, une préparation, il va rester à la salle quand même. Donc voilà, c'était ce petit programme biceps, enfin cette préparation à la prise de masse en biceps. Pour cet exercice-là, toujours pareil, on va se faire des séries de 15 reps, 4 fois 15 reps, 1 minute 30 de repos, toujours. On est en préparation à la prise de masse, donc 4 fois 15, 1 30. Toujours, ça change pas. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour me soutenir et pour ne rien manquer parce que demain, il y a encore une vidéo qui va suivre. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de la faire. Normalement, oui. Normalement, j'aurai le temps de la faire. Si aujourd'hui, j'ai pu faire 2 vidéos, demain, je pourrais faire au moins une vidéo. Comme ça, j'aurai rempli mon lundi au vendredi. Et même s'il y a Call of Black Ops 4, parce que bah oui, après cette vidéo là, je dois la monter avant de jouer, parce que sinon je pourrais jamais te la poster. Donc je vais monter cette vidéo là tranquillement, je vais prendre mon temps, comme ça tu auras la vidéo en belle qualité. Sur ce, s'il y a des questions sur quelques programmes, sur quelques mouvements où t'as pas bien compris, dis-le moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre, soit dans la prochaine vidéo si t'es assez rapide, ou si tu poses ta question un peu plus tard, j'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo. Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.